nothing can come as close as you when you hear the wind blows. But through this unstoppable storm, love remains. It drives me insane. I feel we got so far in the game. Now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rain. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi. Alors désolé, hein, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'épisodes depuis mon retour, mais voilà, il fallait que je ravance pour refaire les choses, hein, vu que j'étais absent. Donc, en tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires hein, que j'ai eu sur le, que ça soit sur le setup ou sur la vidéo, l'épisode 35, si je me, oui. Merci aussi à HD qui 69 pour le lien qui m'a filé. Regardez que je parlais dans mon épisode pour l'addition, pour dire ouais, il faut, voilà, on peut voir la superficie, on peut voir la récolte, tout ça. Il y a eu des questions aussi sur comment on récolte le trèfle. Bah, tout simplement, on le fauche, on peut le faire en balle, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Bah, regardez, j'ai ramassé, fini de ramasser ma paille. Alors, je voulais la vendre, mais j'ai pas pu la vendre en vrac vers les chevaux, ni aux concessionnaires, aux négociants à bétail. Donc, je l'ai mis dans la grange. Quoi, j'ai rempli une partie du deuxième silo, quoi, et je l'ai mis aussi sous bâche. Il est en train de fermenter pour le compost, hein, comme je vous en avais parlé. Et j'ai passé le culti. Il faudra que je passe de la chaux ici, peut-être qu'en fin d'épisode. Mais aujourd'hui, on va aller changer le bus de la Farming Family, hein, celui-là. Mais en même temps, regardez, vu qu'il me faut des sous, hein. Il me faut des sous parce que je sais pas si j'aurai assez en vendant le bus là pour acheter l'autre. Et en plus, bah tiens, regardez, il y a déjà une. Elle est à 100%. Ouais, on va la prendre. Profiter. Hop. Normalement, voilà. Hop. On va la mettre là, tranquillou, comme ça. On va profiter. C'est fou comme ils me font du lait, ces vaches là. Les autres animaux, on regardera aussi pendant l'épisode. Où ils en sont, mais normalement tout est correct. Il y aura du lisier qu'on ira, rappelez-vous, il faut aller la mettre au BGA qui est juste là-haut, dans haut des chèvres. Comme ça, je peux faire du gaz et puis du digesta et ça me fera de l'argent aussi. Mais aujourd'hui, on va aller vendre ce bus et vendre en premier avant le lait. Alors, on va aller à la boulangerie. Je veux pas, faut que je monte. Voilà, on va fermer ça, on va mettre les sangles pour tenir tout ça. Et voilà, comme ça, on va aller tranquillou vendre ce lait. Oh, vous me direz, je pourrais le garder pour les fromages. Oh, il y aura de la vente de fromage, ça c'est clair, parce que j'en ai. Ça, on fera peut-être dans un autre épisode, ça fera aussi de l'argent. Mais vu que la production de lait au niveau des vaches ici qui est assez impressionnante, donc j'aurai assez de lait pour faire encore. On fera du fromage de chèvre. J'en ai, je crois, vers les 800 litres de fromage de lait de chèvre, j'allais dire de fromage. On continuera, je vous ferai le. On commence ça dans un épisode ou peut-être dans un live. On fera l'engrais solide et on fauchera aussi parce que je veux peut-être faire de l'enrubanné et comme ça je peux le vendre et puis ça me fera aussi de l'argent. Il y aura bien sûr les récoltes à vendre, mais bon, les prix sont pas des plus terribles pour le moment. Il y a le tournesol, j'ai oublié que ça bougeait. Il y a le tournesol quand on va vers le concessionnaire. Il faut que je le récolte. Il y a ce champ ici sur la droite aussi que je dois récolter.
Donc vous voyez que ça va bien faire les choses. Il faudra aussi que ben que j'en vienne fertiliser ces champs. Alors peut-être qu'on fera tout ça dans un live. Je ne sais pas, demain mercredi, si j'aurai le temps de vous faire un live ou ce sera un petit épisode. C'est vrai que les lives, c'est plus intéressant parce qu'on est plus longtemps ensemble. Alors où c'est qu'elle est déjà cette boulangerie? Elle doit être par là dans le coin, sauf erreur. Est-ce que c'est là? On va regarder sur le plan. On va le regarder sur le plan. Ouais, et je crois bien qu'il faut tourner ici. Ouais, c'est vrai qu'il faudra faire du pain, mais pour ça, il faut que je fasse de la farine. Où es-tu? Tu es là. Voilà. Ça va passer? Ouais, ça passe. Facile. Donc, la remorque, bien sûr, je vais la garder. Hein, Mais c'est le bus qu'on va changer aujourd'hui. Alors, je pense que il faut. Bon, est-ce qu'on peut ouvrir là? 8h à 18h, bah ouais. Donc, on peut pas aller là-dedans? C'est bizarre. Ah, bah ouais. Bon, moi, je pensais qu'on aurait pu rentrer. Alors, bon, c'est ici qu'on on va ravancer un petit peu. On va se mettre en vue extérieure, tiens. Comme ça, on va avancer un petit peu. Parce que je sais pas qu'après, on va essayer peut-être même de tourner déjà. Comme ça, au moins, je serai prêt. Ça va être short pour tourner ici. Allez, j'aurais pu le laver, c'est vrai, vous allez me dire. Alors, on ira vite à la station-service le laver, qui est à côté du concessionnaire. Parce que c'est vrai que de rendre un bus comme ça tout dégueulasse, c'est pas des plus terribles. Voilà, regardez. Hop, ça, on va aller voir la jolie boulangère. On va déjà peut-être enlever les sangles. Voilà, comme ça. Tac, nickel. Ouais, ça goûte bien là-dedans. On va voir, hein. Hop. Alors, c'est où il est le plus cher, hein, au niveau de la vente. Alors, est-ce que ça prend? Hop. Non. Pourtant, on peut pas. Allô? Allô? Huguette? Ouais. Alors, où c'est que c'est? Alors, je sais qu'on peut vendre du pain, mais moi, je voudrais bien vendre du lait. Alors, est-ce qu'on peut vendre en bidon? Ça, par contre, j'ai pas regardé. La vente. Ah, mais oui, mais peut-être que. Je sais que. Voilà, c'est à cause de ça. Je crois que c'est diminué à 4 h du matin qu'on peut vendre. Bah c'est super, j'ai pas pensé à ça. Moi je voudrais c'est aller là-bas parce que ça doit être ouvert ici automatiquement. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, hein. Moi je voudrais ressortir, s'il vous plaît. Hop. Bon, on va faire comme ça sera plus simple. Voilà. Ce que je vais faire, je vais recharger le petit bidon Flankidou, la boy. Et on va laisser la remorque là. Hein. Et puis, je pensais vendre ça ouais, direct. Et je veux pas le vendre ailleurs parce que regardez, si on regarde le lait ici, la boulangerie, il est quand même vers les 1000 euros. Après, il y a la boutique qui est à 917 euros. Et normalement, il y a peut-être encore ouais, à la laiterie. Mais il est en train en plus de descendre le prix. Donc, ce que je vais faire. On va laisser là, puis peut-être que je vous montrerai en accéléré dans le prochain épisode que j'ai vendu le lait ici vers les 4 h du matin, quoi. C'est à partir de minuit. Je vais juste mettre la remorque comme il faut. Je reviendrai à la recherche. Oh, peut-être mettre les sangles avant que j'ai tout par terre. Regardez, on va la mettre là pour pas gêner les autres s'il y en a d'autres paysans qui viennent vendre son lait. Voilà, on va décrocher, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est bon. Et nous, on est parti pour aller vendre, déjà le laver. Le laver, un petit coup à la station-service. On va passer par là. Hein. Quoi qu'on pourrait passer dans la forêt. À la limite, ouais. Comme ça, j'atterris direct là-bas. On va passer par là, on va mettre le clignotant. Hop. Voilà. Donc ici, ouais, j'ai à fertiliser. Oui, il y a plein de choses. Hein. Le miel et puis les pommes, j'ai pas encore. Hein. Sachez que je sais plus, c'est 4-5 jours, je sais plus exactement.
On regardera tout ça un peu à la fin de l'épisode. De toute façon, on ira peut-être mettre de la chaux sur le champ là-bas. Oui, donc il me faut de l'argent parce que, il y a un semoir que je dois acheter. J'ai qu'une planteuse. Si je veux mettre d'autres cultures, il faudra bien ça. Mais bon, voilà, vu que j'étais en pause, donc j'ai pas pu beaucoup avancer. En ce qui concerne saison valaisanne, ça sera peut-être que pour ce week-end un épisode, parce qu'il faut que j'avance aussi avec le mode saison. Je me suis un peu consacré qu'avec la série Ma Petite Valaisie, que j'adore, hein. On est quand même bientôt, on va bientôt arriver à 40 épisodes. Après, vous m'aviez parlé il fallait que je continue cet épisode, cette série, l'autre aussi. Les plaines russes, ça c'est compliqué. J'ai pas le temps en ce moment, vraiment. Et puis bon, c'est long, hein, il faut plus de 2 jours pour mettre en route une usine. C'est vrai que peut-être qu'on s'est lancé je me suis lancé dans un truc qui est peut-être un peu gros par rapport à ça, mais. On viendra aussi acheter, quoi, on va prendre mais il faut que j'achète aussi normalement. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il me faut que j'ai des sous. Je peux pas faire autrement. Peut-être qu'avec la petite, quoi, là, j'ai une remorque verte, mais que j'utilise pour le fertilisant. Alors, je sais pas si je vais mettre du lisier dedans et puis amener. Comme ça, où c'est que c'est? C'est pas là, là, c'est l'abattoir. C'est ici. Voilà. Pour ceux qui savent pas, on peut venir laver les véhicules ici. Hein. Regardez. On va le laver plein de kilos. Alors, je sais pas si c'est payant. Hein. On va couper le moteur. Là. Et puis normalement. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est une station-service. Bon, c'est pas payant. Pas besoin d'acheter de Karcher. Alors j'en ai un à la ferme. Peut-être que je revendrai. On va quand même le rendre propre. Alors j'espère qu'il a. Mon petit Eddy a mis les jantes rouges aussi sur l'autre. On va l'acheter, quoi. On va déjà voir si on a l'argent. Autrement, moi, on ira voir Madame Muller qui nous fasse un petit prêt. Hein. Il suffit que je lui amène 2 ou 3 pots de miel. Et puis, hein, un petit souper. Et puis comme ça, c'est bon. Alors là, pour reculer, on voit pas très haut. Je vais regarder dans le rétro. Peut-être, il n'est pas trop usé, donc j'aurais pas besoin de le réparer. Donc ça sera un petit épisode aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura un demain ou peut-être un live. Je ne sais pas encore. Je vous avertirai de toute façon à l'avance s'il y a un live. C'est clair que j'ai pas eu trop trop le temps encore ce week-end. J'avais des invités. Donc j'ai pas eu beaucoup beaucoup de temps d'avancer sur la partie. Oups, voilà, regardez. Oups, on va couper le moteur, on va descendre et on va voir combien tu vas m'en redonner. 61 000. Donc il n'y a pas besoin. Ouais, est-ce qu'on le répare? Ouais. Pour 4 euros. On va le réparer quand même. Ça n'a pas fait grand chose. On va le vendre. Hop. Voilà. Et on va acheter le nouveau bus. Si j'ai les moyens. Vous me direz pourquoi tu achètes un bus avant. Mais bon, on peut faire le transport, tout ça. Vous avez vu que c'est très pratique avec la remorque que j'ai. C'est vrai que avec l'argent là, je pourrais acheter mon semoir. Mais vous inquiétez pas. Alors, je sais pas où il me l'a foutu. Normalement, c'est ici. Alors, on a plusieurs. Hein. Vous voyez quand il y a le Ford F1 qui est aussi aux couleurs de la Farming Family. Et voici le Mercedes. Ah, ça va bien. Il l'a fait pas trop cher. 100 giro. On va mettre des giro. Voilà. Sans balise. Qu'est-ce que c'est les balises? Alors bien sûr, il reste privé. Vous retrouvez ce mode qui était sorti, mais il l'a transformé. Alors moi, je le veux. On va le reprendre en noir. Voilà. Et ça, vous le retrouvez. Je crois qu'il est sur mode hub, sur Ferro, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors vous pouvez le mettre multimarque. Moi, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ça. Par contre, ouais. Je sais pas, moi c'est la première fois que Boko. Où c'est que tu m'as mis la Farming Family? Alors il y a beaucoup beaucoup de marques, ça il l'a laissé, mais il a transformé l'intérieur. C'est pour ça qu'il est privé.
On m'a parlé, on m'a demandé si le 14,55 que j'ai de mon petit aussi est dit. Oui, il sera sûrement, si j'ai le temps encore aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne l'épisode, de vous le mettre sur mon site. Il sera sur le site. Il y avait ma sœur, vous voyez qu'il y a énormément. Il y a toutes les barques, je crois. Il suffit de juste trouver où il m'a mis ça, mon petit Eddy. Ah, voilà. Il est là. Voilà. Regardez avec les plaques. Et c'est quand même pas mal. Donc, on va l'acheter. 29 400. Donc, hein, sans balise. Est-ce que je le mets? Ouais. Ouais, ça donne un style. Ça donne un style. On va l'acheter. Ah, on peut pas changer la couleur des jantes. Bon, bah, tant pis. J'aimais bien avec les jantes rouges. Voilà. Donc il est là. On va les voir. Regardez comme il est beau ce petit Mercedes. Oh, il est un peu plus grand que l'autre. Hein, parce que il y a plein de choses dedans. Alors les portes, est-ce que. Ah, il a peut-être mis une lissée à l'intérieur, non? Est-ce qu'il a mis un lissé là? Vous voyez que c'est l'intérieur est propre. Bon, bien sûr, c'est pas Eddy qui l'a fait, mais il l'a transformé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ouvrir les portes. Ah, d'accord, ok. On va se remettre en vue externe. Hop, voilà. Et regardez, il y a la lumière qui s'allume. On va descendre, hein. La lumière qui s'allume. Alors, il y avait plein d'autres choses à l'arrière. Et lui, il a rajouté les 5. On peut, bien sûr, comment ça, faire le plein des véhicules. Donc là, ça ouvre toutes les portes et bien sûr, on peut ranger des choses. Il a enlevé, hein, il y avait un gros atelier dedans et là, comme ça, on peut transporter des choses. C'est très très beau. J'espère que j'ai le crochet. J'ai le crochet, c'est bon. J'ai eu un peu peur. Bon, les amis, ce qu'on va faire, hop, on va refermer les portes. Magnifique, magnifique. Regardez comme c'est beau. Aux couleurs du Valais, de la farming, j'allais dire du Valaisan. Non, aux couleurs de la farming family. On me dirait, est-ce que un paysan a un gros bus comme ça? Ben moi, oui. Voilà. Là, il y a le champ, hein, le tournesol qu'il faut. Peut-être qu'on fera ça un peu. Il faudrait voir un peu le prix. Enfin, un joli bruit, il est stable. Il va vite, il faut que je fasse gaffe quand même la route. Par contre, est-ce qu'il va me rentrer dans le garage? Je ne sais pas. Bon, ben, c'est pas bien grave. Si jamais on le mettra ailleurs, peut-être qu'on achètera un petit véhicule pour aller promener Martine ou Ginette. On verra ça. Ici, ben, il faut que j'achète des faucheuses. Donc, vous voyez, 68 000 euros. J'ai quand même pas trop dépensé d'argent. Il y aura le prix du lait. Ben, je vous le montrerai. Je vais vous montrer ça. Peut-être que, ben, il faut que j'attende que minuit. Hein, donc, pour la vente. On va lui mettre là-bas. Mais ça, bah, le bus là, il va être pratique si je suis en panne avec un tracteur. Ça sera l'idéal. Par contre, est-ce qu'il va rentrer là-dedans? Hop. Bah, il doit rentrer. Ça descend, ça descend. Est-ce qu'il va toucher? Ouais, ça va rentrer. Par contre, il prend un peu plus de place que l'autre. Voilà. Donc, magnifique. En tout cas, merci. On ne demandait pas le. Alors, je pourrais vous mettre le lien, mais je crois qu'il est sur le Modob, hein, ce bus Mercedes. Mais celui-là, il est privé, parce que bien sûr, vous pensez bien qu'il y a eu la modification à l'intérieur. Et puis voilà les logos de la Farming Family, que je salue au complet, bien sûr. N'hésitez pas aussi, vous voyez, on a remis, il a remis l'escouade, l'association à 746, qui font avec les enfants handicapés. Et voilà. Donc il est magnifique, il est propre, tout nickel. Donc mes amis, ben n'hésitez pas. Oh, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que du transport. Je savais pas. C'est vrai que j'ai hésité longtemps à vous faire un épisode parce que je me suis dit si c'est pour faire un épisode et puis rien faire dedans. Mais là, bon, on a été faire l'achat. Je vous l'avais parlé de ça qu'on allait changer le bus et je pensais vendre le lait, mais voilà. Donc la prochaine fois, eh ben, vous voyez qu'il y a toujours là. On fera peut-être justement ça. Mais sûrement, il y aura un live, peut-être mercredi, mais je ne suis pas sûr. Je dis rien en avance. Vous verrez si je mets un post. Il y aura de la vente, bien sûr, encore pour monter un peu d'argent. Nous, on va revenir ici. Regardez les poulettes, elles vont bien.
Ça va bien aussi acheter un petit chien-chien. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, hein, vos commentaires. Et puis je tâcherai de vous mettre ça pour demain ou encore pour ce soir, le 14h45 55 sur mon site. Allez, moi je vais vous dire tout de bon. À très vite les amis. Portez-vous bien et une bonne journée. Salut!